Le film que vous allez voir raconte la tragédie vécue par un groupe de 5 jeunes, en particulier par Sally Hardesty et par Frankie, son jeune frère handicapé. Cette affaire est d'autant plus tragique qu'ils étaient jeunes. Mais même s'ils avaient vécu très longtemps, jamais ils ne se seraient attendus ni n'auraient souhaité assister à une débauche de folie aussi macabre. Leur balade entre amis par cet idyllique après-midi d'été se transforma en cauchemar. Les événements de cette journée devaient mener à la découverte de l'un des crimes les plus bizarres des annales de l'histoire des États-Unis, connu sous le nom de massacre à la tronçonneuse. août 1973. Portal
Procédant à la perquisition, la police a trouvé une petite fille de 18 mois attachée à la chaudière qui se trouvait dans la cave. Il semblerait que les parents maltraitaient leur fille depuis un mois, depuis le jour où le mari avait été licencié de son travail à l'usine. C'est la fin de notre journal. La météo prévoit une belle journée et un très bon week-end. Alors, profitez-en bien. Ça va, là? Et maintenant, chers auditeurs, retrouvons Steve Johnson pour notre grand jeu du matin, qui est l'intrus. Bonjour, chers auditeurs, Steve Johnson au micro. J'espère que vous êtes tous en pleine forme pour jouer avec nous et avec nos trois candidats du jour. Aujourd'hui, nous jouons avec Patrick, Jim et Mary. Les conditions de la récession sont soit contraires, soit inharmonieuses avec la direction régulière des mouvements actuels du zodiaque. Et cela a des conséquences sur le mal. Car quand toutes les planètes maléfiques sont en récession et Saturne est maléfique, alors les maléfismes augmentent. Excuse-moi, mais je pige rien. Pour moi, c'est du charabia. Ça veut dire que Saturne a une mauvaise influence. Et son influence est d'autant plus mauvaise qu'elle est en pleine récession, c'est clair? Hé, hey Kurt, ne me dis pas que tu crois aux salades qu'elle nous déblatère. Je m'en fous. Attends, on va bientôt rentrer. Monsieur, mon grand-père est enterré ici. Je voudrais savoir s'il lui est rien arrivé. Comment il s'appelait? Là-bas, il y a un grand type qui se promène avec une torche. C'est notre shérif. Va le trouver. Dis-lui que ton grand-père est enterré ici. Il te laissera entrer. Merci. Je vais conduire la petite demoiselle auprès du shérif. Je vous la ramène tout de suite. Okay, on t'attend ici. Hé, les gars, laissez-nous entrer. Son grand-père est enterré ici. On est là depuis ce matin. Ça commence à faire long. J'aimerais bien rentrer chez moi. Ça mène du temps. On nous cache des choses. Beaucoup de choses. Je vois des choses. Les autres, ils disent que je suis fou, que je bois. C'est eux qui sont fous. Ils se moquent d'un pauvre homme. Et oui, ils se croient plus malins que lui. Qu'il rit pendant qu'il est encore temps. Le type m'a dit qu'il savait reconnaître une tombe profanée. Francky, t'inquiète pas. Je l'ai vue de mes propres yeux, elle n'a pas été profanée. Mmh. C'est quoi cette odeur? Mmh. Oh, ça pue. Mmh. Oh, remontez les vitres. Oh, allez, dépêchez-vous. Mmh. Oh. Hey, regardez. On approche des anciens abattoirs. Et c'est là où grand-père venait vendre ses vaches. On a un oncle qui travaillait dans un abattoir du côté fort. De Fort Worth. Vous voyez le bâtiment là-bas? C'est là où on les abat. Et paf, on les frappe sur la tête avec une grosse masse. Oh, c'est horrible. Et il les tue rarement du premier coup. Elle se foutait à gueuler, et il fallait qu'il s'y reprenne à plusieurs fois pour qu'elle crève. Et parfois, elle mourait pas, et il commençait à les dépecer alors qu'elles étaient encore vivantes. Oh, c'est dégueulasse. Ouais. On devrait pas tuer les animaux pour les manger. Et ils font plus comme ça, maintenant. Ils ont des pistolets à air comprimé. Et ils envoient une pointe jusqu'au cerveau, et ils la retirent. Ça fait boum, schlack, boum, schlack. Francky, boum, arrête. Change schlack, de sujet, j'adore boum, la viande, moi, schlack, ok boum, oui, mais quand même, schlack. C'est terrible quand on est réfléchi, non? Oh merde, qu'est-ce qu'il fait chaud là-dedans? Regardez, un autostoppeur. On le prend ou pas? Oui, oui, arrête-toi, il tiendra pas une heure avec cette chaleur. De quoi est-ce qu'il a l'air? Je parie qu'il pue l'abattoir et qu'il sent la charogne. Arrête-toi, on va le prendre, il aura qu'à s'asseoir à côté de Francky. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, il a l'air bizarre, regardez, oh non!
qu'on vient de prendre en stop Dracula. Tu vas où comme ça? Vers le sud. C'est là que tu bosses? Non. Alors qu'est-ce que tu fiches dans le coin? Je viens d'aller faire un tour à l'abattoir. J'ai un oncle qui travaillait à celui de Forthworth. Mon frère, lui, il travaillait ici. Mon grand-père aussi. Ma famille a toujours travaillé dans la viande. Toute une famille de Dracula. Et dis-moi, t'es déjà entré dans la pièce où ils tuent les animaux? Et maintenant, ils leur envoient une grosse pointe dans la tête. Ce truc-là, ça vaut rien du tout. Et j'y suis allé une fois avec mon oncle. L'ancienne méthode avec la masse, c'était chouette. Et les bêtes crevaient mieux qu'avec le foutu pistolet dont tu parles. Non, c'est vrai, moi je croyais que c'était mieux. Non. Avec ces trucs, il y a bien moins de boulot dans la région. Tu faisais ça? Attends. C'était moi qui les tuais. Ouais, c'est pas vrai. Fais voir. Et ils se gardent les têtes pour eux. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Pour qui? Avec les têtes, ils se font du fromage de tête. Ils enlèvent la tête. Ils l'enlèvent et ils la font bouillir sans la langue. Et quand la tête est bouillie, ils la raclent pour enlever la viande. Ils utilisent toute la tête, ils jettent rien. Ils utilisent les joues, les muscles, les yeux, la cervelle, tout quoi. Il faut tout bouillir. Regarde ça. Moi je veux pas voir ça. La chair des gencives, et puis quand c'est fait, ça fait une belle gelée, c'est délicieux. Ah, je savais pas qu'on mettait tout ça là-dedans. Ouais, moi je trouve ça délicieux. Et toi? Ah ouais, j'adore ça. Ah ouais, t'as raison. Rien qu'à vous entendre, ça me donne envie de vomir. Vous pourriez pas parler d'autre chose? Je suis sûr que t'aimerais ça si tu savais pas ce qu'il y a dedans. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous changiez de sujet. Merci. Oh, s'il te plaît, Frankie, tu vas tous nous faire dégueuler. Ok. Pose ce couteau, tu vas te couper. Non, fais pas ça. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Ça va pas, non? Oh mon Dieu! Oh non! Pose ce couteau, s'il te plaît. J'ai un rasoir. Range-le. Il est joli, non? Oui, mec, c'est un beau rasoir. Tu peux le ranger maintenant. En photo? Vous pouvez me déposer, c'est pas un gros détour. J'en sais rien, on est plutôt pressé, tu vois. C'est loin d'ici? Non, c'est juste là. Dans ce cas, tu peux y aller à pied, c'est pas grave. Nous, on doit continuer à rouler, tu vois. Vous resteriez dîner avec nous, ça serait super. Et puis toi, t'adores le fromage de tête. Mon frère en fait, il est délicieux, tu vas adorer. On n'a pas le temps. Pas vrai, Jerry? On est vraiment désolé. Ah.
pas très réussi. Hein. C'est une très belle photo. $2, c'est pas cher. Hein? $2, c'est une belle photo. Franky, laisse tomber, on n'a pas de pognon. Il veut que Franky lui achète sa photo. Oh, tu rigoles? Non, c'est sérieux. La police. C'est un fou dangereux, ce mec. C'est la dernière fois que je prends quelqu'un en autostop. Écoutez l'horoscope de Franky. Sally. Ne faites aucun projet, car des gens de rencontre pourraient vous mettre des bâtons dans les roues et donner à votre journée une tournure pour le moins imprévue. Les événements actuels ne vous poussent pas à l'optimisme. En plein dans le mille. C'est rien. Lis celui de Sally. Elle est capricorne. Ok. Oh non. Le capricorne est placé sous Saturne. Il y aura des moments où vous ne pourrez pas croire que les événements vécus seront vrais. Pincez-vous et ils apparaîtront plus vrais que nature. Qu'est-ce qu'il vous faut? Le plein, s'il vous plaît. J'ai plus d'essence. Bah, comment ça, plus d'essence? Et mes cuves sont vides. Je ne serai certainement pas livré avant ce soir. Peut-être même demain matin. On aurait dû s'arrêter avant. Et vous savez où se trouve la vieille maison des Franklin? La vieille maison des... Oui, c'est une maison à 2 étages. Elle se trouve en haut d'une petite colline. Et je crois qu'il faut prendre cette route-là, mais je suis pas sûr. Ouais. Peut-être bien qu'il y a une maison qui ressemble à ce que vous dites. Mais attendez, vous avez pas l'intention de monter là-haut et de visiter cette baraque? C'est une ruine. Ça pourrait être dangereux. On fera attention. Dites, vous avez pas l'intention d'aller traîner dans une propriété privée? Les habitants d'ici n'aiment pas beaucoup ça. Mon père est né ici. Allons, cette maison est à lui. Ouais? J'ai une proposition à vous faire. Je suis en train de faire un barbecue dans mon jardin. Pourquoi vous ne mangeriez pas avec moi? Vous pourriez attendre l'essence ici, ça vous dit? Vous avez faim?
Je suis prêt à parier que vos copines, elles veulent pas y aller. Les filles, elles se foutent pas mal des vieilles baraques. Allez, restez plutôt avec moi. On aurait dû lui demander s'il y avait une autre station dans le coin. Tu crois peut-être qu'il nous l'aurait indiqué, tu rêves ? On devrait quand même lui demander, non ? Ok, je vais lui demander. C'est malin, on aurait dû en prendre avant sur la route. J'ai beau appuyer, ça marche pas. Regarde. Vous croyez qu'il loue des chambres ? Francky, t'es taré ou quoi ? Arrête ça tout de suite ! Ok, désolé. C'était juste pour passer le temps. Regarde, je parie que c'est du sang, l'autostoppeur. Regarde. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison. Ouais, c'est bien son sang. T'as vu comment il s'est entaillé la main? Et tu crois que tu pourrais en faire autant? Ça va pas, je suis pas taré. Ouais. Moi, je crois qu'il faut vraiment en avoir pour arriver à se faire un truc comme il s'est fait. Tu crois que je lui ai dit un truc qu'il fallait pas? Quoi? Francky était encore plus fou que lui. J'ai acheté de la bouffe. La station la plus proche est à Newt. Allez. On va à la maison de grand-père, hein? Il y a même un lac pour se baigner. Sally, tu viens? Allez, Sally, dépêche-toi, on y va! Grouille-toi! Hein? L'autostoppeur, il a foutu plein de sang sur la camionnette. On dirait qu'il a voulu écrire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit quelque chose? File-moi ton couteau. Merci. Hé, hey, Francky, si on tombe en panne avant la station-service, tu pourras nous remorquer avec ta chaise? Tu crois que le gars de tout à l'heure a voulu nous faire peur quand il s'est mis à brûler ma photo? C'est bizarre. Je me demande ce que ça veut dire. C'est le signe de Zorro. Il va t'attraper. Tu viens Jerry, avec moi. Tu veux bien nettoyer ce truc. Je vais te montrer l'intérieur. Jerry. Hey, j'arrive. Ah, attends une petite minute. Une minute. Kurt, tu viens? T'as qu'à le nettoyer. Et tu crois pas qu'il a fait ça pour reconnaître notre camionnette? Pourquoi faire?
temps. Bah, pourquoi ça fait un bail. Quand ma grand-mère est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir ce qui lui est arrivé? Ouais. C'est triste. Des jours meilleurs. Mais chiant, tous ces animaux me parlaient quand je faisais des cauchemars. T'as vu les zèbres? J'avais une fascination pour les zèbres. Charlie! Moi, il m'aurait fait faire des cauchemars, ce papier peint. Mais enfin, chacun ses goûts. Je te promets, Franky, on va s'amuser comme des fous. Je me suis assez amusé pour aujourd'hui. Ça me suffit amplement, merci! Attention aux araignées! Salut, Franky! Comment va ton bras? T'avais pas dit qu'on pouvait se baigner dans le coin? Ouais. Pam et moi, on voudrait bien y aller. J'avais un chemin entre les deux granges. Il descendait tout droit jusqu'au lac. Bien, on le trouvera bien. Les autres y vont aussi? Non. On revient dans une heure. Ouais. Ou bien dans deux heures, on verra. Sally! 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 Attention, tu vas tomber. Ouh, il me tarde d'être dans l'eau. Attention, des serpents, des scorpions, des lézards, mangeurs d'hommes. Aïe, merde. Ça doit être le chemin. Oh, j'en peux plus. Je me demande comment Franky faisait pour venir jusqu'ici.
quelqu'un le portait dans ses bras quand il était petit. Oh. Franky n'a jamais été petit. Tu entends ? Un moteur ? Ça veut dire qu'il y a de l'essence. On n'a qu'à leur laisser ma guitare et j'ai 5 dollars, je crois. Et le jour où on reviendra par ici, on passera la reprendre et payer le reste de l'essence. Ils voudront jamais d'une guitare en gage. On peut oublier l'essence. Viens voir ce que j'ai trouvé. Quelqu'un ? Bam, j'ai un cadeau pour toi. Hello ? Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Bam, viens voir ! Non, viens, on s'en va ! Hello ? Y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Pam, viens voir. Hello ? Go!
t'es là? Te chercher, Franky. Et tu crois que ça veut dire quelque chose? S'il essaye de se faire du mal, on te protégera. Je suis sûr que c'est pour moi. Il va te tuer, Franky. Ça veut peut-être rien dire du tout, hein? Tu t'inquiètes beaucoup trop. De toute façon, il ne nous retrouvera pas. Il connaît même pas notre nom. Faux. Moi, je lui ai donné ton nom et ton adresse, Franky. Il a même ton code postal. Il va te tuer. Jerry... Qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon couteau. Ton couteau te servira à rien, au contraire, il l'aimait bien. Où est-ce que tu l'as laissé? Je l'ai laissé nulle part.
Parce que c'est toi qui l'avais. Tu te souviens, je te l'ai prêté. Qu'est-ce que t'en as fait? J'en sais rien, j'ai dû te le rendre, non? Ah non, je l'avais déjà plus quand je suis descendu de la camionnette. Tu ne m'as pas rendu mon couteau. Ok, je vais le chercher. Moi, je vais descendre jusqu'au lac avant qu'il fasse nuit, ok? Frankie, tu m'indiques le chemin? Il faut que tu prennes le sentier qui passe juste là, entre les deux granges. Je peux venir avec toi? Non, il vaut mieux que tu restes ici. D'accord. Désolée, hein, je le trouve pas. Tu es en colère contre moi? Non, je suis pas en colère contre toi. Ouais, bah tu m'en veux, ça se voit. Écoute, je sais bien que je suis un boulet. Je te comprends. Kirk! Tu voulais pas que je vienne avec vous, c'est ça, hein? Oh, Franklin, je suis fatiguée, c'est tout. Tu parles d'une journée? Sally, est-ce que tu crois toi aussi à ce que Pam disait à propos de Saturne qui rétrograde et à ses influences maléfiques? Je sais pas. Ça joue peut-être un rôle, mais j'en sais rien. Et tu crois qu'il va essayer de nous retrouver? Mais il n'y a aucune chance qu'il nous retrouve, pas vrai? Il doit avoir peur que Kirk le tue, c'est sûr. Sally? Quoi encore? Non, rien. Laisse tomber. Kirk? Kirk? Hey, vous êtes là? Les gars, je trouve pas ça drôle. Allez, montrez-vous. Pam, tu es là? Vous avez gagné, j'entre. Allez, ça va. On rentre. Kirk?
Ils n'ont rien, même pas une torche. S'ils sont pas rentrés dans 5 minutes, on ira les chercher. Et si on se perd, nous aussi, on fera quoi? Sally, on ferait mieux d'aller demander de l'aide à la station-service. Pas question que je bouge d'ici sans Jerry. Jerry! 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 Hey! Ils vont sûrement revenir dans quelques secondes. On ferait mieux d'aller à la station-service. Sally, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les clés sont dans le van. Tu me passes la torche 1 minute. Pourquoi faire? Allez, donne-la-moi, s'il te plaît. Je vais aller à leur recherche. Toi, tu restes là. Non, arrête, n'y va pas. Je crois que c'est pas une bonne idée d'y aller. Tu ferais mieux de rester ici. Attends, je vais de nouveau klaxonner, tu vas voir. Franklin, donne-moi cette torche, tu veux? Non, tu l'auras pas. Je vais d'abord klaxonner. On attend encore 2 minutes, et s'ils se pointent pas, on y va, d'accord? Ça te va? Sally, ils ont pris les clés! On n'a même pas les clés! Ils sont tirés avec les clés! Arrête! Franklin, arrête! Arrête, je te dis! Et tu vas me donner cette torche, ils nous ont même pas laissé, t'as compris? Non, on peut pas y aller. Écoute, et s'il réplique ici et qu'on n'est plus là? Oh, mais je m'en fous, tu vas lâcher cette torche. Non, c'est moi qui la garde, d'accord? Donne-la-moi, je vais aller foutre. Non, c'est moi. Et je viens avec toi, on y va ensemble, ok? Allez, Sally, allez, on y va ensemble. Allez, je viens avec toi, mais c'est moi qui tiens la torche. Donne-moi cette torche. Écoute, je viens avec toi, me laisse non, pas seule. C'est pas goudronné, c'est trop difficile. Et écoute, je veux pas. Aïe, ah, oh. Allez, j'y vais avec toi, mais c'est moi qui... Et puis merde, j'y vais sans ta torche. D'accord, c'est bon, on y va. Attends, attends-moi. Ne me laisse pas tout seul. Sally, va pas si vite, attends. Voilà, on y va, ouais. Je viens avec toi. Et doucement, j'arrive pas à te suivre. Sally! Non, pas si vite! J'ai entendu quelque chose. Il y a de la lumière là-bas. C'est vrai? Oui. On en dirait une maison. C'est bon signe, allez, pousse. Vas-y, allez. Allez, ça descend, vas-y. Ouais, c'est une maison. T'es sûr? Je vois pas grand-chose. Oh, c'est pas la peine, c'est trop dur, j'en peux plus. Allez, fais un effort. Recule et pousse d'un seul coup. Ah non, j'en peux plus. Chut, t'as entendu? Regarde. Hé, hey, oh, Jerry! 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 Et arrête-toi, t'entends ce bruit? Arrête!
Calmez-vous, tu calmes. Allez, allez, on se calme, d'accord? On se calme. S'il vous plaît. C'est bon, maintenant. Allez, vous ne craignez rien ici, ça va, allez. C'est fini, il faut vous calmer, maintenant. La police. Ouais, ouais, on se calme. Il l'a tué. Allez, calmez-vous. Il a tué Franklin. Appelez la police. Jerry, je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres. Il n'y a plus personne dehors. C'est fini. Ça va aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut appeler la police. On n'a pas le téléphone ici. Il faut y aller en voiture. C'est pas tout près. On va y aller. On y va tout de suite. Je reviens. Je vais chercher le camion. Il y en a pour une minute. Il n'y a rien à craindre. Vous pouvez me croire. Demain, il fera chaud, mais le ciel restera couvert malgré quelques éclaircies. Une journée sans pluie avec des températures avoisinant les 35 degrés. Cette nuit, les températures ne descendront pas en dessous de 22 degrés. Il fait actuellement 23 degrés et un vent de sud-est souffle à une vitesse de 45 km/h. Vous nous écoutez sur 102.4. Dans le comté de Muerto, la police a ouvert une enquête en début de matinée dans l'enceinte du cimetière local. Les adjoints du shérif ont ouvert les cryptes et les mausolées décelant des traces évidentes de profanation. Les adjoints du shérif ont déclaré avoir découvert une dizaine de cercueils dont le contenu aurait en partie disparu. Selon le shérif Jésus Maldonado, dans certains des cas, seules les têtes et les extrémités manquaient. Dans d'autres cas, ce n'était qu'un pied ou une main, le reste du cadavre demeurant intact. Monsieur Maldonado a laissé entendre que selon ses réseaux, les vols seraient liés à un réseau organisé de voleurs de bijoux originaire de la côte ouest. Il a refusé de commenter les éventuelles motivations des voleurs en ce qui concerne l'exhumation des cadavres. Les membres de la société d'histoire de Muerto tiendront une vente demain de 10h à 14h devant la mairie. Les profits générés par cette vente serviront en partie à la restauration de l'intérieur de la chapelle de Winklow qui avait subi de graves dommages lors des intempéries du mois de décembre dernier. Une autre partie de l'argent collecté lors de cette vente sera versée à différentes œuvres caritatives. Qu'est-ce qui... Non. Écoutez, non. Vous n'avez rien à craindre. Non. Si vous y mettez du vôtre, tout se passera très bien. Oh là, vous allez poser qu'est-ce ça. Qu'est-ce que hein? Vous voulez? Écoutez, non, vraiment, c'est inutile de faire ça. Vous allez poser ce couteau, d'accord? D'éteindre la lumière. Au prix où est l'électricité, ça vous mène droit à la banqueroute.
vous êtes confortablement installé. Et vous faites pas de mourant. Ça sert à rien. On arrive bientôt. Et voilà, détendez-vous. Vous avez le sang chaud, hein? Faut tenir le coup. Quel abruti! Espèce de crétin! Viens ici, petit con. Viens ici, je te dis, allez, viens! Non! Non! Arrête de faire! On va balader! C'est tout! Espèce d'idiot! T'as failli te faire prendre là-bas! Hein? Ah! Ah! Non! Personne m'a vu! Ils savent rien! Je t'avais dit de ne pas mettre les pieds dans ce cimetière! Tu le savais! Je t'avais aussi dit de ne jamais laisser ton frère tout seul! Petit con, petit con! Prends la fille qui est dans la camionnette! Allez, dépêche-toi! Sors-la de la camionnette! Allez, mange-toi le cul! Et j'espère que ton frère n'a laissé s'échapper personne d'autre! À l'intérieur! Et toi, si t'es revenu avec un macabé, tu vas avoir tout le comté à tes trousses! Regarde! T'as vu comment ton frère a massacré cette porte? Il n'a aucune fierté, aucun respect pour sa maison. Il va m'entendre. Espèce de crétin! T'as laissé partir personne d'autre, j'espère, hein? Où sont les autres, hein? Et ce soir, on mange quoi, imbécile? Oh, je croyais que vous étiez pressé. Où sont les autres? Où est-ce que tu les as mis? Il n'y en a aucun qui s'est barré. T'en es sûr? Toi, tu... T'es qu'un pauvre crétin! T'as démoli notre porte! Hé, t'as fait du beau travail! Elle est mignonne, hein? Tu vas la fermer, abruti! Monte plutôt chercher ton grand-père, hein! Voyons, restez tranquille, ça sert à rien. Allons, il faut vous calmer maintenant. On va préparer le repas d'ici quelques minutes. Retourne dans la cuisine. Voilà. Tu m'as entendu? Dégage d'ici.
ça va aller. Calmez-vous, ma petite. Allez, on se calme. On va manger, ça c'est sûr, tout de suite. Donne-moi un coup de main pour grand-père. C'est une fête de famille, ça? Je vous en supplie, dites-leur d'arrêter. Vous pourriez pas leur demander? Non, il veut pas. Ferme-la! Je peux rien faire, jeune fille. Oh, pitié! Écoutez-les, laissez pas me tuer. Tu voulais la tuer, toi? Tu le trouves pas beau, mon frère, hein? Vous êtes dingue! Je vous en supplie, dites-leur d'arrêter! Lui, il ne peut pas t'aider, c'est que le cuisinier. Tu la fermes!
ferme, espèce de connard. C'est moi et face de tir qui ont tout le boulot. Laissez-moi. Il aime pas ça. J'ai raison, hein. Tout ce que tu fais, c'est cuisiner. Tu vas la fermer. Tu comprends rien. Si je comprends que toi, t'es à moi que rien. Lui et moi, on fait tout le boulot. Et quelqu'un, ça ne me procure aucun plaisir. Et on est obligé de faire certaines choses. C'est pas que ça nous plaise. Vic, laissez-moi partir. Je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai une idée. Grand-père s'ennuie un peu trop. Faut aussi qu'il s'éclate. T'as toujours dit que c'était le meilleur. Oui, j'ai pas menti. C'est lui qui va donner le premier coup. Hé, grand-père, on va te faire un cadeau. On va te laisser la fille. Allez, jeune fille, ça sert à rien de hurler. Croyez-moi, vous n'aurez pas mal. Grand-père est bien le meilleur tueur qu'on ait jamais eu. Un seul coup lui a toujours suffi. Il en a tué 60 en 5 minutes. Et il en aurait tué plus si ceux qui évacuaient les carcasses étaient allés aussi vite que lui. Ça ne sert à rien de pleurer. Grand-père est le meilleur. Vous ne sentirez rien. Frappe-la, 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 frappe-la,
regard. Thank you.